Salut à tous les amis, c'est LB du 10 et aujourd'hui je vous présente la vidéo Les Sims 3 Super Pouvoir partie 9, le dernier épisode bien sûr, je vous le présente et on va avec la famille Zebra pour le dernier épisode hein. Et ben on va vous présenter un petit peu la famille Zebra qu'ils ont déménagé depuis dans la super maison que j'avais créée Arelia, donc je vous mettrai les liens dans la description si vous voulez la télécharger. Alors vous voyez, alors on va éteindre la musique. Et il y a deux musiques en plus, alors il y a deux chaînes IFI allumées. Alors on va voir ce que je vais vous présenter un petit peu dans cet dernier épisode, Les Sims 3 Super Pouvoir partie 9, fin. Et je vais vous présenter, on va se terminer avec la fin. Donc il y a de la musique un petit peu partout. Voilà, ça sera mieux, ça sera plus calme, on entendra mieux, donc on va aller. Et encore de la musique, toujours. Et puis on va jouer avec la famille Zebra. Alors j'espère que vous allez bien, hein, comme toujours, dans les Sims 3 Super Pouvoir. On a un petit bug, excusez-moi pour le petit bug, ça va revenir, on va attendre un petit peu. Donc on se retrouve tout de suite après, bien sûr, comme le bug sera plus là. Donc, ah voilà, le bug il est revenu, donc on va aller un peu jouer avec la famille Zebra. Alors je ne sais pas d'où qu'elle vient la musique, il y a trop de musique dans cette maison. Voilà, donc on va retirer un peu de musique parce qu'il y a beaucoup trop de musique. Donc on va tout de suite enlever ça. Il y a beaucoup trop de musique dans ma maison. Donc on va la vendre hein, tout de suite, il n'y a pas de problème. Donc ça va être impeccable, comme toujours, bien sûr. Donc, on est dans les Sims Super Pouvoir. Hein, donc, on va tout de suite aller jouer un petit peu avec la famille Zebra. Pour le dernier épisode, je vous fais pas une vidéo trop longue. Donc, j'allais vous dire aussi, pour la fin du mois, on n'aura plus... Je vous ferai pas de vidéo des Sims 3 Îles de Rêve. Pour bonne raison, parce que on aura deux vidéos spéciales de En route vers le futur qui sort le 24 octobre. Donc j'espère que ça va vous plaire. Donc voilà, je vous ai un petit peu montré la maison. Je vous mettrai les liens en description. Je vous montre pas l'intérieur, mais vous pourrez la découvrir, vous pourrez la télécharger. Vous mettrez les liens dans la description. Et on était avec la famille Zebra. Donc on va aller voir un peu Paul Bear qui est par ici, qui est couché. Oui, Paul Bear, c'est pas sa chambre normalement à Paul Bear. Donc on va le réveiller, on va le changer, on va le mettre dans sa chambre. Donc on va aller tout de suite dans sa chambre à Paul Bear. Donc la chambre à Paul Bear, elle est où? On va la chercher. Voilà la chambre à Paul Bear. Donc ça sera ici sa chambre, on va pas s'emmerder. Donc on va jouer un petit peu aujourd'hui avec nos Sims et on va les faire dormir un petit peu. On va rejoindre Jessie Zebra. Donc on va les rejoindre un petit peu, Jessie Zebra qui va aller dormir. Alors Jessie va aller dormir parce qu'elle n'est pas en forme. Elle a besoin d'énergie, elle a besoin de tout ça. Donc on va s'occuper aussi de Marie-Laure. Marie-Laure Zebra qui est là. Je vous montre un petit peu hein, bien sûr. Vous devez connaître la famille Zebra. On la retrouvera dans
En route vers le futur, hein. On prendra cette famille pour En route vers le futur. Et on ira faire des petits tours, on restera ici bien sûr, et on ira visiter le futur, voir ses enfants qui ont grandi à Paul Bear. Alors vous verrez, il y a ses enfants qui ont grandi, c'est ses descendants, on verra ça dans le prochain add-on qui sort le 24 octobre. Je vous en dirai un peu plus, mais là pour aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo. Les Sims 3, super pouvoir, fin, dernier épisode, partie 9, hein. On s'arrête là, bien sûr. Et il y a toujours un bug, donc on se retrouve tout de suite après le bug, hein, bien sûr. Donc on se retrouve à cause du bug, hein, bien sûr. Il y a eu un petit bug, je sais pas pourquoi il y a des bugs. Ça devrait pas normalement avoir des bugs. Donc on va aller faire quoi aujourd'hui avec la famille Zebra. Donc on va s'occuper d'eux. On a toujours du bug. C'est pas grave. Donc on va aller faire un petit tour avec Zebra. On va aller voir un petit peu ce qu'on peut faire. Mais je vous fais pas une vidéo trop longue, hein. C'est pour finir le dernier épisode. On se termine avec ce dernier épisode. On va aller voir ma fille qui est peut-être au lit. Donc elle doit être là. Elle dort. Jessie Zebra et Marie-Laure Zebra est toujours réveillée. Elle est pas beaucoup en forme, hein, bien sûr. Elle est pas beaucoup en forme. Donc c'est tout ce que je voulais vous montrer. Et Paul Bear dort dans son lit. Alors, on va leur faire quoi? Donc on va s'occuper de sa fille. Qui mange une glace, bien sûr. Comme toujours. On va aller faire quoi avec elle? Ils en décollent dans quelques heures. On va aller voir ça après. Donc on est avec la famille Zebra. Et on la retrouvera, quand je vous disais, dans En route vers le futur. Alors, on va faire quoi? On va faire quoi? Je sais pas trop. Donc Paul Bear dort toujours. Marie-Laure remonte. Normalement aujourd'hui c'est dimanche, il n'y a pas d'école, donc elle va aller sûrement dormir. Alors, on va voir ça. Elle a besoin de tout ça. Donc Marie-Laure va dormir là. Hop, dormir. Elle a besoin de dormir, bien sûr. On va aller voir ça, hein, bien sûr, hein, comme toujours. Et on avait fait plein de compétences, je crois, avec Zebra. On va aller voir les compétences de Paul Bear. Alors, on avait en 4 athlétisme, on avait cuisine 3, on avait de l'alchimiste à fond, on avait fait, je crois, si je me rappelle bien, du sport, il en est à 3, arts martiaux, pêche, il en est à... Ouais, allez, 6, en gros, cuisine 3. Donc on va le laisser dormir, Paul Bear, et on va retrouver ma Sims qui dort, bien sûr. Excusez-moi, il y a toujours un bug. Donc c'est pas normal qu'il y ait des petits bugs comme ça, c'est rapide, hein, quand même. On va tout de suite s'occuper. Et elle, alors, on n'avait pas fait de compétences avec Lone. Donc elle avait... Ils avaient plein d'amis. Félicitations, Paul Bear vient d'améliorer ses compétences au niveau 7 de la pêche. Donc il dort, il avait les amis qui étaient là, il y avait Mongo Tango. Il y avait sa petite amie, je crois, il me semble. Alors sa petite amie n'est pas là. Je sais plus trop au juste, donc... Donc nos Sims dorment toujours. Donc voilà. Pour le dernier épisode, on va pas faire grand-chose, je pense. Donc voilà. Donc ils dorment toujours. Donc on va peut-être s'occuper un peu d'eux, bien sûr. On va aller voir les besoins. Alors les besoins, hygiène, la faim, on va monter un peu la jauge. Hygiène, on va monter la jauge. Amusement, on va monter la jauge.
Dormir, toujours dormir. Dormir, hop. Tu es un petit peu à fond. Et Jesse, tu fais quoi, Jesse? Jesse aussi dort toujours. Ben, ils dorment tous là-dedans. Donc, on va accélérer le temps. Parce que là, ça va être un peu plus de temps pour que ils recharge les batteries, hein, bien sûr. Donc, on va s'occuper de ça tout de suite, hein, sans problème. Donc, j'ai toujours un petit bug. C'est pas trop grave. On s'en fout. Donc, ils dorment toujours. Donc, très bientôt, on va se réveiller. On accélère un peu la cadence. Et on va leur faire faire un peu. Et voilà qui grêle. On est en été pourtant, hein, mais il grêle quand même. Alors, les compétences de... Elle avait eu en athlétisme 3, elle avait 4, en cuisine elle avait 2, et en arts martiaux elle avait 2. Donc, elle n'a pas beaucoup de compétences. Je vais pas vous embêter pour ce dernier épisode, hein, bien sûr. Hein. C'est le dernier épisode de la série. Hein. Il n'y aura pas de saison suivante. Donc, mon Sims va-t-il se réveiller sans toujours en train de dormir? Il y a toujours de l'orage. Ah, voilà. Paul Bear se réveille. On va aller s'occuper un peu de lui. On va lui faire faire un petit peu à manger. Il y a de l'orage, bien sûr, hein, pour pas changer, comme toujours. Donc, on va aller s'occuper de lui. On va lui faire faire à manger. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait lui faire faire? Le frigo, alors. Donc, il y a toujours un bug, bien sûr. Voilà, alors, le frigo, on va faire manger ce plat brunch. Allez, pancake, salade d'automne. Donc, mon Sims va faire à manger, bien sûr. Donc, les filles... Alors, ils vont pas tarder à se réveiller. Ah. Elles dorment toujours. Ah, Marie. Marie-Laure est réveillée. Et on va s'occuper un peu de Marie-Laure. Allez, on va faire faire un peu de danse. S'entraîner. Allez, on y va. Allez, un peu d'athlétisme, ça fait pas mal. Il y a de l'orage. Allez, on va aller voir un peu Jesse. Oui, Jesse, bien sûr. Qui va pas tarder à se réveiller, et oui. Excusez-moi pour la toux, hein, bien sûr. Alors, Jesse va... alors, elle a besoin de quoi ? Allez, on va faire un peu aussi d'exercice avec Jesse. Séance d'aérobic. Allez. Thank you.
voir un peu Paul Bear pendant que les filles font de l'aérobic. Paul Bear joue au billard. Allez, une petite partie de billard. Il va nous faire une petite partie de billard, bien sûr. On va aller voir les filles qui font de l'aérobic. Alors, Paul Bear, félicitations, ça c'est bon. Et puis on va se quitter sur cette vidéo, hein. On va se terminer avec la séance d'aérobic. Comme toujours, mettez des petits j'aime, commentez mes vidéos, abonnez-vous à ma chaîne. Et on se retrouve pour la fin du mois avec deux vidéos spéciales en route vers le futur, les Sims 3. Donc j'espère que ma vidéo là vous a plu pour le dernier épisode. Donc ils font toujours la séance d'aérobic, donc on se quitte sur cette vidéo. Et je vous dis bye, c'était LB du 10 qui vous a présenté les Sims 3, super pouvoir. Partie 9, la fin. Bye!